Bonjour et bienvenue, on est de retour, troisième épisode de notre créature qui se balade dans le monde et nous on la chevauche. Donc on doit gérer son empoisonnement pour le moment, après le reste ça se passe. Mais on doit juste gérer son empoisonnement, on est en train de faire ça. Alors toi tu es en train de faire quoi? Boulangerie, il n'y a plus rien, ça y est. Ah, stockage plein, ok, faut faire plus de stockage. Ouais, faire plus de stockage. Si on met du stockage de pain ici, est-ce que c'est bien ou pas? Parce que là, ça serait pour les plantes. Les plantes, elles se stockent où? Les plantes, elles se stockent là-dedans. Ok, on va faire un stockage. Ici. On va faire comme ça. Et après, stockage de plantes. Mettre un petit stockage ici. Hop. Très bien, toi tu vas arrêter pour le moment. On va finir de faire ça. Alors, vous avez rencontré un petit groupe. Hein. Yes. Bienvenue. Parfait. Ouais, 30. Allez, travaillez à 2, comme ça vous allez vite. Ça, il faudrait qu'on finisse de tout détruire ici, même si c'est pas techniquement intéressant. Ouais, c'est vraiment pas intéressant en fait. La boulangerie, on la refait travailler. Aussi on est en train de... Bah voilà, ça y est, la montgolfière, comme ça on peut aller soigner notre ami. Donc j'avais dit que la dernière fois on allait se concentrer sur la décontamination. On peut faire l'ambulance aussi pour aider, pour le... Il y a le placebo. Honnêtement, je trouve que le placebo est super dangereux. Je vois pas pourquoi on l'utiliserait. Genre les médecins qui travaillent dans ce bâtiment peuvent traiter les patients sans herbe, donc ça fait des économies, c'est sûr. Mais il y a 20% de chances que le patient meure instantanément. 20%, je trouve ça énorme, honnêtement. Je trouve ça vraiment énorme. Je trouve ça un peu abusé. On pourrait faire les huttes, mais je suis pas trop sûr. Alors donc, où on prend ambulance, qui est quand même vachement utile. Puis en plus, on a le métal, donc on va prendre ambulance, je pense. Et après, on va se concentrer sur la décontamination, comme j'avais dit. Il faudrait aussi faire des champignons de soins. Comme ça, on peut faire plus facilement du soin pour notre créature. Genre si je dis pas de conneries, ouais c'est que 10, ouais ça serait mieux. Ça serait mieux. Ok, on a des pierres encore. On va envoyer une équipe à la forêt toxique. Ça il faut qu'ils finissent. Ok, la nourriture, ça se passe bien. Et bon, là c'est parce que j'avais arrêté de faire du pain. La production va sûrement augmenter. Elle est où notre cuisine? C'est bon, on avait fini de tout détruire là. Parce que c'est vrai que c'est un peu chiant ce truc. Là on a quoi? Une vague de froid, c'est pas grave. Est-ce qu'on a notre... On en a un, ça y est. Ah merde, j'avais oublié ça. Oupsie, pardon. Glacial, y'a pas de problème. On pourrait passer à la construction. Alors, on a eu 11 champignons. Oh, champignons de soins, ça c'est bien ça. Tiens, on va faire ça. Champignons
champignons de soins. Nickel. Voilà, nickel. Faites la construction. Voilà. On devrait avoir deux... deux médicaments bientôt. Quatorze champignons de soins. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Alors. Donc ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire ça à la limite. On va peut-être faire ça en premier. Ouais, comme ça, on pourra pouvoir faire des champignons de soins. Nous-mêmes. Les gens, je voudrais bien que vous finissiez ça, s'il vous plaît. Ok, on pourra lui dire d'aller ou à droite ou à gauche. Enfin, nord ou sud, on va voir, on va attendre un peu. Bon, là, c'est pas fini, mais c'est pas grave. C'est bon, la construction? On avance un peu ou pas? Non, le désert, on... Ok, on a eu des pierres. Il nous faudrait du bois. Il nous faudrait du bois. Ah, ça y est. Donc il nous faut une équipe de deux. Il nous faut une équipe de deux. On reste quoi là, ça, très bien. Le médecin. On a 42 plantes. 42 plantes, c'est pas énorme. Tiens, je suis en train de me dire ça. On aurait dû le mettre plus, genre au centre, comme ça on peut faire. On peut faire ça en fait de l'autre côté. Ça, c'est pas grave. Ou pareil au même, vraiment. Très bien. Là aussi, pareil, on aurait dû plus le mettre au centre, comme ça on peut faire pareil des deux côtés. J'avoue. Pas trop grave. Le blé, on en a. Ouais, on a encore pas mal de blé. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait... On en a trois. Honnêtement, ça passe. On va garder le reste. Honnêtement, ça passe. L'eau, on est bon, l'eau. L'eau, on est bon. Il y a l'eau, on pourrait peut-être en faire un peu plus de réserve. Juste un peu plus de réserve d'eau. Ok. Alors, faut juste charger ça. Ok, nickel. Alors, du coup, on va aller où, nous? Lieu de repos pour Ondu. Ok, va au sud. Ne se fie pas à vos ordres. Super, merci. Cool. Avec plaisir. On te soigne et tu nous écoutes pas. C'est pas vraiment sympa. Hein. Ah, il s'assoit en plus. Ah bah c'est bien, on aura le temps de... Bah c'est cool, vas-y, dors un peu. Dors un peu. C'est nickel. Alors, bois. Il nous faut du bois. Il reste plus grand chose de la forêt, hein. C'est pas grave. Alors, on rapporte 14 pierres, nickel. On a encore des choses à fouiller. Ce qui est embêtant avec ce genre de choses, c'est que, genre le docteur et tout ça, là, pour la créature, c'est qu'on n'en a pas vraiment besoin tout le temps. Mais quand on en a besoin, les gens mettent du temps à se remettre, parce que c'est à chaque fois par deux, par exemple. Là, c'est par deux. Y a pas mal de choses par deux, même, genre l'exploration et tout. Et du coup, ça peut causer des problèmes. Parce que les gens mettent trop de temps, en fait, à se replacer.
Bon, quand il se réveillera, on lui donnera à manger et puis on lui dira d'aller en bas. Même si dans un sens, ça ne sert plus à rien maintenant d'aller en bas. Ok, on a l'ambulance, c'est nickel. On a les champignons, c'est nickel. Maintenant, on voudrait... ça, ce serait pas mal. Comme ça, il aura plus confiance en nous. Ouais, on peut le débloquer maintenant. Et honnêtement, quand il suit bien les ordres, honnêtement, ça rend tellement le jeu plus simple. Pas lui donner un tiens, on peut lui donner un antidote maintenant, mais il dort. Non, c'est à manger qu'on peut pas lui donner l'antidote. Je crois qu'on l'injecte directement en fait. Ouais, ok, l'antidote ça marche, c'est que à manger. Je crois qu'on peut pas lui donner à manger. Combien on a de nourriture pour la créature? Ça aussi, ça c'est bête que ça soit pas ici, parce que une fois que c'est rajouté à l'inventaire, du coup on le voit plus. Donc ça c'est vraiment bête. Ça devrait mettre genre, on en a 0 qui sont dans le camp, mais on en a 5, genre entre parenthèses, genre 5 qui sont dans l'inventaire par exemple de la machine. Ça serait vraiment utile. Je crois qu'on a des gens empoisonnés. Ouais, mais ça c'est parce que oui, il est par terre en fait. Ouais. C'est pas grave. Donc du coup, on peut switcher aux champignons de soin. Champignons de soin, il faut du coup des plantes médicinales. C'est bon. Là, il faut quoi? Il faut des bois. Ouais, des bois, des bois. On peut aller directement couper le bois. Minerais de fer. Ah, là, il y a des nomades. On va finir les petites constructions qui nous manquent. Maintenant, on va faire... Moissonneur. Récupérer un peu plus de bois, s'il nous faut du bois. Ça, c'est en train d'être fait. Les médecins, c'est bon. Ok, il se réveille. Oh, vas-y, fais voir. Bon, tu vas aller au nord. Ok, c'est super, merci. Je vais lui donner à manger, vite. Nickel. Yes, t'es allé au nord. Merci, si tu gères. Ok, on va remettre les gens ici. Ok, on a récupéré un peu de bois. Nickel. Le pain... Le pain, le blé... Ça va, le blé il se gère très bien. Il y a pas... En plus, le blé, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Par contre, il met du temps. Donc, en fait, il faut en planter beaucoup, on va dire. Mais si vous mettez une personne, ça suffit largement. Les médecins, on va laisser à 2, voire 1, ça suffit. Parce qu'on n'est pas vraiment en danger maintenant. Ça, c'est toujours en. On va peut-être en mettre 2 ici pour aller plus vite. Comme ça, on aura plus de blé. Ça. Allez, vite les gens. Hop, oh, c'est bon. Je l'ai vu à la dernière minute. Nickel. Qu'est-ce qu'il faut gérer? Se faut penser un peu. Je mets des pauses pour voir penser. Donc ça, on va avoir de l'eau en plus ici. On va le mettre en automatique. Celui-là aussi, il faut le finir.
On a 56 dalles, on a 24 planches, c'est très bien. Là, au rappel, on est toujours à une personne pour les carrières et pour la scierie, donc honnêtement, il reste encore plein de bois. Ça, là, on a récupéré le plus de bois possible. On peut couper le reste. C'est pas très grave. De toute façon, ça va repousser au bout d'un moment, puis on récupérera des... Comment ça s'appelle ? Des graines et tout. J'ai passé le logement de 30. On a récupéré tout moins ce bois. De toute façon, il va être pourri sinon. Ça ne servira plus à rien. Alors, qu'est-ce qui nous manque ? On a médecine. On a un. Ça, les champignons. Ah oui, les champignons, il faut du monde. Ouais, ouais. Il faut absolument du monde. Alors, la nourriture pour lui, pas besoin. On a déjà du de la nourriture. Là, on produit pas assez de baies. C'est pas très grave. Ok, on a eu du sel. Qu'est-ce que je viens de finir? Je me rappelle même plus ce que j'étais en train de faire. Oui, le caresser, comme ça il nous écoutera un peu plus. Ok, maintenant, j'avais dit qu'on voulait faire ça. Toujours les renvoyer, faut jamais se oublier. Parce que c'est, honnêtement, c'est plus ou moins les explorateurs qui font survivre le groupe. Donc, franchement, c'est les meilleurs. Deux explorateurs de plus. Enfin, des colons. Nomades. Alors, la nourriture c'est bon, ça se fait, ça aussi, ouais, maintenant la concentration ça va être sur les champignons, les plantes de soins, parce que du coup lui il en a besoin, nous on en a besoin aussi. C'est ce qui va nous permettre de survivre. Faudrait plus de ça. Mais j'arrive pas à faire de champignons, c'est relou. Maintenant il fait trop chaud. Une galère. La vague de chaud, elle va pas durer longtemps de toute façon. Si elle dure longtemps. vous m'embêtez. À 3, c'est pas assez rapide, ça honnêtement. Même eux, ils ont plus de travail, quoi. C'est super. Seulement récolté. J'aime pas mettre sur seulement récolté parce que j'ai l'impression que je vais oublier à chaque fois. Ça va. Il nous en faut pour nous aussi. Il faut y penser. Alors, bonne santé, affamé, très bien. C'est pas mal. C'est pas mal.
peut faire des cactus vite fait. Augmenter le rendu de certaines choses. Ça. Pour moi, sonneur, on est 3. Ok, tu vas peut-être pouvoir t'endormir et te dormir un peu, te reposer. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est une route à travers cette saloperie. Ça, c'est un peu le problème. Alors, plus aérien. Hop. Ah, j'ai pas de connaissances. Merde. Bon, on va pas mettre de gens. J'ai plus de connaissances. Il faudra faire gaffe, ça. Alors, honnêtement, ça, je sais pas trop comment ça fonctionne. Collecte de fumier d'ondu qui peut servir à produire du biogaz. Donc, je crois que ça, il faut le mettre à là. Et ben, quand il fait ses besoins, on récolte automatiquement, je crois. Mais je sais pas, c'est très... Je suis pas sûr, en fait. J'ai jamais vu vraiment fonctionner, au final. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe par ce chemin-là? Ok, on va devoir gérer le village là, parce qu'on a géré l'avant, il n'y a pas de problème. Mais on gère pas l'arrière, et il y a de la saloperie partout. Donc il y a ça qui est intéressant, là aussi. À la limite, je dirais de... Alors, attends, faut voir si je fais ça. Comme ça, on arrive en plein milieu. Là, on pourra récupérer ça, et celui-là, il est nickel, il est clean. Pas trop de problèmes. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut faire ça. Alors, il peut dormir ou pas? Est-ce qu'il va dormir? Yes. Nickel. Alors, minerai de fer. Très bien. On va aller... Ça, c'est du sable. On va faire d'abord la ville. Est-ce qu'on est en train de faire des médicaments? Yes. On est bon maintenant, récolter, planter, planter, récolter, planter, récolter. Alors en nourriture, on a quoi? On en a 3. Je crois qu'il nous faut surtout. Ah, mais je peux pas. Plante, on va arrêter d'en faire. Arrêter de faire des médicaments pour lui. Très bien, faut qu'il mange. Oh, événement. Ah, des colons. Alors, ça fait du pas mal de monde là d'un coup. Ah, ça fait pas mal de monde. On n'a plus de connaissances. Ça, c'est un problème. C'est pas grave. Alors, si on va commencer à travailler là-dedans, il faut plus de gens ici. C'est que on va faire ça, on va construire la route. La tornade, elle va nous faire chier. Il faut qu'on lui dise d'accélérer. Yes. Let's go, let's go. Vas-y.
On devrait être bon. C'est chaud. Hein. Éviter les tornades, c'est méga, méga chaud. Ok. Te fatigue plus, on est bon. On est bon, on est sorti d'affaire. Alors maintenant, on a un biome d'eau. L'eau, ça nous sert à rien. Après, on peut trouver pas mal d'épaves et tout ça, donc ça fait pas mal de bois. Ouais, c'est pas mal de bois. Aussi, alors je crois qu'il y a... Ils te disent pas qu'il est empoisonné. Je crois que ça, c'est un problème aussi. C'est bête. Ils nous disent pas qu'il est empoisonné dans le... chez nous. Et du coup, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à l'océan ou pas? L'océan est pas... Je sais pas trop. Faut vraiment qu'on sorte de ce... de cette chaleur. Je dirais que l'océan, c'est peut-être pas vraiment intéressant. Enfin, on n'a rien pour récupérer de l'eau ou récupérer des poissons. Donc c'est pas vraiment super intéressant. On va aller en avant, comme ça il sera... il pourra se reposer. Ça va, il nous aime bien. Ok. On a récupéré 48 d'eau, c'est nickel. On va récupérer du sable. Voilà, faites votre route. Et on a ça maintenant. Alors, décontamination. Donc on a ça. Alors ça c'est bien, il faut le mettre à côté des habitations. Eh ben merde, du coup, c'est vrai que du coup c'est pas parfaitement bien placé. Faudrait que je refasse les habitations dans un seul endroit. Je peux mettre les habitations ici? Non, je peux pas. Ouais, ça, honnêtement, ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant. La corne aussi. Après, ça va réduire la confiance. Est-ce que si je le mets là, le composteur? Est-ce que... Ouais, là je récupère tout. Ok, on va virer ça. Je sais qu'il va pas aimer, mais... Mais bon, au moins on touchera toutes les habitations. Je suis désolé, hein, mais... On te fera des câlins après, ça va. On te fera des câlins. Je sais pas si ça lui fait des dégâts, je crois pas. Ok, on fait voir niveau nourriture. Ouais, niveau nourriture, on gère. On va faire ça. La cuisine, elle sert plus à grand chose, honnêtement. Alors, grogne, c'est pas grave. Ça va, ça va. On te caresse. Okay. Est-ce que ça avance là? Ça va, il est content. Quand il remue la queue, c'est qu'il est très content avec nous en fait. C'est bon la construction? Alors on est à combien de personnes? Ok, le pain avance, on a récupéré de l'eau en plus. C'est quoi ça? Sanctuaire. Nickel, sanctuaire! Alors, moi, ce que je veux, c'est du biogaz. Ouais, c'est du biogaz. C'est le plus important. On va devoir passer la tornade, ça va être un problème. Ok, faites-moi une bonne route.
Alors, on a re des plantes, c'est bien. Là, on est toujours en chaleur, hein. Ouais, on est toujours dans le désert, donc on peut pas faire de... On peut pas faire grand-chose. Là, on peut faire du blé, re-blé. Ouais, parce qu'on en avait arrêté d'en faire, du coup, c'est un peu con. L'eau descend un peu, mais ça va, on va gérer. Je crois qu'on n'a plus rien à explorer. Pour le moment. Nos ressources, il nous faut un peu de bois. Une fois que les routes seront faites, ça ira plus vite. Je crois qu'ils seront protégés. De la toxicité, parce qu'en fait ils auront plus rien sur le chemin. Là, je crois, j'en sais rien en fait, je suis pas sûr. Ok, donc ça va être la merde. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit de s'arrêter ou on lui dit de courir? Il est en pleine forme. On va lui dire de courir. Ouais, je crois qu'il faut lui dire de courir maintenant si on veut passer. Ça devrait être bon. Qu'on le nourrisse. Ok, on a la décontamination, nickel. Alors, il y a pas mal de bonnes choses. Leur équipement léger, ils vont plus vite et tout ça, mais ils vont être empoisonnés. Parce qu'en fait, la décontamination, on peut pas être empoisonné. Ça qui est vachement bien, c'est pour ça que c'est bien. Et eux, ils vont attaquer automatiquement en fait les plantes. Moi, j'aime bien faire ça, augmenter le nombre maximum. Mais est-ce qu'on a... On a que un de métal, donc ça sert un peu à rien de faire ça maintenant. Alors, la décontamination, on va pouvoir les placer... Décontamination, les placer ici. Les placer ici. Donc pour le moment, ça sert à rien de faire ça. Dans ce lame supplémentaire. Alors après, il y a quoi à la ferme? Alors, extraction de bioxodabile, véhicule biliaire, non, ça peut réduire légèrement sa santé et sa confiance en vous. Ça, c'est pas mal. Mais il faudrait le soigner, en fait. Alors, attends, on va d'abord passer dans des choses qui peuvent l'aider, en fait. Voilà, aliments nourrissants. Ouais, on va d'abord faire ça. Il a passé la tempête. Presque. Ok, on est bon. Tu peux marcher. Et on va te donner à manger. Nickel. Là, qu'est-ce qu'on a maintenant? Il nous faudrait de la nourriture. On va faire ça. Colons en plus, ça va, y a pas de problème. Ok. Alors, ça va être la fin de notre épisode. Alors là, on a maintenant
On a un peu de biogaz. C'est juste maintenant. Ok, on a un peu de biogaz. On a combien de gens qui travaillent? À la limite, on peut réduire ça et on peut faire ça. Et du coup... Bon là, on va peut-être pas en mettre autant. Genre 2 et ils vont petit à petit brûler tout ce qu'il y a en fait. Ça peut être pas mal. Faire attention au poison. En fait, faut pas être surmené. Si jamais il y a trop de gens qui sont empoisonnés, là, ça va commencer à être dangereux. Mais pour le moment, ça va. Là, il faudrait... Attends, il manque... C'est pour ça que les gens, en fait, sortent du chemin. Là, on est bon, ressources manquantes, mais là, ils vont... Petit à petit, on va récupérer du biogaz. Donc, c'est bon. Ouais, 2 mecs, ça suffit. 2 mecs, ça suffit. Un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est... faire un truc comme ça. Je suis en train de réfléchir, d'optimiser un peu le village, puis après on s'arrête. Bon, là il fait toujours chaud, c'est chiant. Il nous faudrait un peu plus de médicaments pour notre créature. Et après, ce qui est bien, c'est que petit à petit, avec eux, ils vont tout brûler, ils vont pas prendre de poison, rien. Et du coup, on va économiser, en fait. La nourriture, bon, ça, c'est bientôt fini. Honnêtement, je sais même pas quoi en faire de la cuisine. Ouais, on verra, c'est comme ça. La cuisine, on aurait dû la mettre ici. Franchement, elle est inutile, là, maintenant. La mettre comme ça. Ah, c'est la merde. Ouais, cette cuisine-là, elle est pas utile en fait. En fait, c'est trop loin. Donc je crois que la plupart du temps, ce que font les gens, c'est qu'ils mangent directement les baies. Et après, là, on fait surtout du blé. Donc du coup ça sert pas à grand chose tout le reste. Et au final il n'y a rien qui est utile en fait pour la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, là on optimise. Donc on va devoir faire ça, une cuisine ici. Celle-là on va la détruire, ça nous fera de la place. Ça c'est bon. Ouais, ça je suis pas encore sûr honnêtement de comment ça fonctionne. J'ai jamais vraiment fait attention. C'est vrai, c'est tellement rare. Bon, en tout cas, on a un chemin nickel. Ah, quoique, non, il prend du fumier, là. Non, non, ça doit marcher, en fait. Non, ça marche, c'est juste que... Je suis tellement occupé autre part que je le vois jamais, en fait. Ça, ressources manquantes. Ouais, il nous faut du blé. Nourriture. Plein de nourriture. Médicaments. 2 médicaments, ok. Hop. Bon bah c'est bon, on va s'arrêter là. C'est un bon épisode. On a bien avancé, on a... Ah, il y a des passages durs, il y a des passages difficiles, il y a encore ça à passer. Tempête de sable. Pas être de la tarte. Niveau ressources, les ressources primaires là, ça se passe très bien. Il y a un peu le bois à récupérer, un peu plus de bois. Mais de toute façon, comme j'ai dit, on est toujours à des souches qui sont à peine entamées. Donc voilà. Ça, on va le brûler petit à petit. Je suis content. Ouais, tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien pour le moment. Ça va, c'est cool. Allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.